Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.2. Donc, comme vous voyez, j'ai construit un petit peu 2-3 petites choses entre temps. C'était pas prévu que je les construise entre temps, chers amis, malheureusement, donc je vais vous expliquer plus ou moins ce que j'ai fait. J'ai coupé déjà ici un petit peu, j'ai remis ce qu'il fallait en termes de cailloux en dessous, hein, et j'ai mis donc un petit peu d'ornate wood et des gates, comme vous pouvez le voir ici. Ornate wood en haut avec de quoi monter de chaque côté et des mod traps ici. À la base, je pensais avoir lancé le truc, mais apparemment ma cam a fait bugger l'enregistrement parce que comme ça faisait longtemps que je l'avais pas redémarré, je l'ai réinitialisé à la prise directement. J'ai débranché, rebranché la cam et bon bah ça a fait bugger le logiciel de tournage bizarrement, donc bon, c'est pas grave. Hop, donc salut les gens, je suis encore malade, ça tombe bien, vous avez loupé plusieurs fois des gros skins de tout, donc c'est pas plus mal dans certains d'un certain point de vue. Hop, donc je suis en train de continuer une espèce de grange, en fait, chers amis, que j'avais commencé. Hop, voilà, merci d'être passé. Donc voilà, oui, une grange que je vais m'empresser de... Non, déjà, je vais m'empresser de virer ça, malheureusement. Je les replanterai ailleurs, ce n'est pas grave. Et ça aussi, pour l'instant. Pour l'instant. Ok, donc ça, c'est bon. Une grange, donc. Vous voyez que j'ai mis des moss trap là-bas, donc ça ce sera, vous verrez, revu, on verra ça, comment je le referai visuellement. Vous voyez que j'ai rajouté de la boue et tout en dessous pour faire genre. Ok, donc là en fait on est à l'étage supérieur si je puis dire. Alors on va commencer déjà par terminer l'étage inférieur. Moi ce que j'ai envie de faire, chers amis, c'était, vous voyez, rajouter des barreaux, donc des cubes particuliers. Lesquels exactement, je ne sais pas, à l'heure actuelle. Peut-être des metal bars. On va partir là-dessus, je pense. Voilà. Crac. Voilà, c'est histoire de rajouter un petit fond, si je puis dire. Crac. Et donc, ici, là-haut, j'aimerais, alors si j'arrive à grimper, merci, voilà, rajouter une fois de plus une fence, si j'arrive à trouver, où est-ce qu'elles sont, ici, voilà, bah du coup non, je vais pas la rajouter comme ça, je fais hop, je vais élever des poules en batterie, mais pour ça il me faut le village glitch, hop, voilà, glitch village, est-ce que je peux avoir une photo? C'est pas la photo que je cherche. Ah, je vais pas en avoir. Je vais pas avoir de photo d'un truc de poulet. J'en ai une. Ok, c'est très très simple. Je vais essayer de reprendre le même design en fait. Ok, je sais plus ou moins comment je vais le faire maintenant. Parfait. Crac, alors il va me falloir. Bien sûr, je vais le refaire avec le bois que j'utilise ici, hein. Bon, si j'arrive pas à trouver. Ah non, je vais pas en avoir. Bon, bah on va chercher comme ça, à la main, hein, comme on dit, chers amis. Je sais que ça vous arrive souvent. En train de perdre mon truc à l'arrière. Voilà, ouais, ça me fait un super épi encore à la cam, ça. Crac. Alors, où est-ce qu'il est? Ça, j'aime bien. Alors, c'est pas ça que je cherche. Pillar bloc. Peut-être ça que j'aurais dû chercher tout à l'heure. Je vais les prendre. Ça, j'en ai encore un paquet, c'est parfait. Je vais pas les trouver. Je ne vais pas les trouver, je suis baisé. Window lattice, voilà, ça devait être ça apparemment. Crac, ok. Une demi.
On va dire ça comme ça. Hop. Je vais essayer de reprendre exactement le même modèle. Hop. Crac. Bien sûr, je vais le remettre. Alors, vous voyez, là, c'est un poil trop, trop près ou trop loin. Est-ce que je peux mettre une gate ou pas? Ils vont pouvoir sauter par-dessus si je fais ça. Ça me plaît pas si mal, ça, finalement. Ce principe-là. Mais c'est un poil trop loin, vous voyez. Je suis trop proche du truc. Hop. Crac. Parfait, les deux sont du tout seuls. Ok, on est bon. En termes de cubes, donc, on était là. On reprend ça, on les met aux extrémités de chaque. Voilà. Puisque ce sont des poules classe, il faut leur mettre des trucs classe avec. Je regarde comment ça se passe exactement. Hop. Je ne veux absolument pas me tromper. Ça me semble bon. En termes de portail, ici des gates, je peux les mettre quand même là. Ça, ce n'est pas important, c'est simplement pour être sûr. Ok. Par contre, en termes d'éclairage, on est vraiment à zéro là, hein, je veux pas dire, mais... Hein, Marcus? Crac. Faut les me garder à hauteur d'homme, je dirais. Voilà. Ça va être plus compliqué ici, on verra. Jusque là, on est bon. Allez, ensuite. Deux cubes de haut. Deux cubes de haut. En... comme ça. C'est bien ici. Alors, je vais quand même, par principe, faire le fond. Hop. En termes d'entrée, c'est donc deux cubes de haut. Deux cubes. Crac. Et après, c'est de la paille. Ok. C'est ça. Hop. Ok, donc je vais en sortir avant de rester connement coincé à l'intérieur. Voilà. Ici c'est ça. Et normalement, bah, je me suis planté sur une hauteur. Ce serait 3 cubes effectivement, apparemment. Donc du coup... Ouais c'est ça, c'est 3 cubes. Crac, non c'est celui-là qu'il me faudrait en cube enlever. Crac. Voilà. Je vais donc aller récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, histoire que ce soit fait. Voilà. On est bon. Mettre mon cube d'abord au milieu. Crac. Et refaire le guignol. Crac. Voilà. C'est ça normalement. Un détail près, c'est que je me suis encore viandé ici. Allez, tombe Marcus, c'est bon. Hop. Donc, nous disions... En fait, c'est comme ça. C'est à ça que ça ressemble. Ok. Donc ça va faire un bâtiment qui sera en fait beaucoup plus haut que ce que je pensais. Qui en soi ne me dérange pas plus que ça, vu que ça reste une grange malgré tout. Mais bon, c'est un peu dommage. Hop. C'est histoire de mettre ce cube là. Crac. Ok. Ça me semble pas trop mal. Donc là, dans le fond, ils avaient mis eux. Des lattices, moi je vais mettre plutôt, je vais peut-être mettre des lattices aussi, remarque. Par principe. Je suis con, je vais faire comme ça en fait. C'est juste comme ça que j'aurais dû faire depuis le début. C'est pas grave, donc nest, maintenant. Il me semble que ça s'appelle nest, hein.
Est. Voilà. Crac. Donc ça rentre pas comme je veux. Je récupère des œufs, c'est cool. C'est pas véritablement ce que j'aurais souhaité. Bon bah là non plus finalement. Donc bah écoutez, je vais récupérer plein d'œufs puis on verra bien. Voilà. Il devrait y avoir moyen normalement de faire pondre des œufs. Chicken. Spawner. Je pense pas que je vais pouvoir faire spawner un. Comment je peux faire spawner une poule? D'accord. Bah j'imagine que ça va se passer comme ça. Donc je vais mettre la souris là. Slash spawn monster chicken. Ah. C'est ça. Ok, cool. Ah, il passe par-dessus. Quelle horreur. Vite. Une deuxième porte. Voilà. Parfait. Et on va en mettre, je vais dire, bah 4. Voilà, j'ai 4 poules maintenant qui viennent ici. Ok. C'est. Pourquoi pas, hein? Excusez-moi. J'ai donc 4 poules, voilà autre chose. On va reprendre le même principe que la dernière fois. À un détail près, je pense. À un détail près, effectivement. Viens par là. Je vais essayer de. Excusez-moi, je suis plus dans le cadre encore une fois. Voilà. Crac. Pour éviter que ça monte trop, en fait, tout simplement. Puis on verra tout à l'heure en termes de hauteur véritablement ce que ça implique. Crac. Je préfère faire ça de manière propre, chers amis, je suis désolé. C'est un peu plus long. Crac. Sachant que le premier niveau, j'ai peut-être fait une connerie en fait, en termes de choses bien faites, si je puis dire. Hop, je vais repasser comme ça, c'est pas grave. Puisqu'en fait, j'aurais dû garder, je crois que je me suis planté sur l'autre maison. Enfin, sur la maison, j'aurais dû garder ce niveau-là. En bois, oui c'est ça, j'aurais dû garder ce niveau-là en bois. Et mettre le fond en tuiles. Parce qu'en fait, c'est que la partie visible des tuiles. Bon, allons-y. Hop. Hop. Merde, j'ai une couille. J'ai une couille dans le pâté. Hop, c'est bon. Crac. Voilà, et cette fois-ci, ce sera un truc pointu. Alors que la dernière fois, on avait plutôt un truc un peu plus propre, si je puis dire. Un peu moins pointu, justement. On va pas dire plus propre, mais on va dire un peu moins pointu. Crac. Pourquoi là-haut c'est. Ah non, d'accord, c'est juste le texte qui était mal fichu. Ok. Bon. Bah, c'est pas si moche finalement. C'est pas si moche. À un détail près. Ici.
Et ici, je vais repasser. Hop. La poupoutre. La poupoutre. C'est pas ces cubes-là. C'est ces cubes-là. Ah, je suis trop loin. Crac. Hop, et on est bon. Voilà, nous avons donc des poulets là-haut. Ce qui n'est pas mal. Donc, elles vont se lever avec le soleil. Donc, ça va être cool. Ok, bah je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Peut-être encore améliorer les trois petites choses, cela dit. Je ne dirais pas non à une petite amélioration. Voilà. Histoire de bien les garder enfermés. Ok. Ça me semble pas trop mal. Parfait. Parfait, parfait. Juste parce qu'on en a pris aussi. Vous voyez, ça marche pas sur les petites. En un seul cube, ça marche pas. Ça marche vraiment que sur les grandes. Grandes surfaces. Hop, tu peux passer. Crac. Ok, on peut voir que les mosses sont déjà remplies ici. Hein. Ça, c'est assez cool. Par contre, ils s'éclairent pas. Alors, est-ce que c'est normal qu'ils ne s'éclairent pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est censé s'éclairer, une mouse trap? Apparemment non, ça ne s'éclaire pas. D'accord. Ça ne s'éclaire pas. Ok, donc voilà. Donc ça c'est fait, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire au niveau de ce bâtiment. On a combien de temps? On a 17 minutes, donc on a encore un petit peu de temps. Donc nous on va se rendre, chers amis, maintenant, là. Hop, directement à l'outpost. On aurait pu aller jusqu'au TP, d'ailleurs, on aurait peut-être dû y aller, ça aurait été peut-être un peu mieux. Crac, voilà, ici. Et on va aller acheter 2-3 petites choses. Ce qui va permettre de me montrer, ce qui va me permettre de vous montrer, pardon, plutôt, comment ça se fait. Comment on fait tout ça. On se rend donc au Terra Mart, chers amis. Crac. Non, je voulais pas te parler en fait, je voulais juste. Et donc, Ken. Tiny Chick and Mature in Tuzen. Ah, mais merde, il y en avait là en fait, c'est con. Donc là, il y a les robots, les mouchis. Mouchis. Mouchis produce milk. Mouchis. What the fuck, c'est quoi une mouchis? Oh! Ok, cool. Je suis plus en admin! Ah bah si, j'étais en admin. Depuis quand ça me prend des trucs de... Merde. Depuis quand ça me coûte de l'argent même ici? Bon bah, je vais pas m'embêter, hein. Pixel. Forcément, j'ai que du printer, mais alors c'était où que j'avais vu ça? Alors c'est dans Voxel que j'avais vu? Si c'est ça, j'aime vraiment me faire chier. C'est ça, bon, c'est pas grave. On prend 2 x 2000. C'est pas grave, on va remonter sur le vaisseau, chers amis. Normalement, en admin, je suis pas censé payer tout ça, mais c'est pas grave. Ça, ça va être quoi? C'est pas le bon truc. J'ai pas l'avoir, le machin, à tous les coups. Il est pas là en tout cas. Je vais aller voir la. Et apparemment il est pas là non plus. Donc, comment je vais me give des pixels? Je sais plus moi. Je ne sais plus du tout. Il me faut la machine, il me faut tout ça. Oh, ça va être chiant. Ça m'en fait 1000, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est pas le nombre qui est important pour l'instant. Crac. Je vais le mettre là si je peux. Je peux pas. Je descends sur la planète, mais si possible là où je veux, ce serait pas mal. Sur mon téléporteur, voilà. Crac. On va les imprimer à la maison. Ce sera fait. Hop. C'était pas prévu ça. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Hop, je vais en extracter. Voilà.
J'en ai combien des comme ça? J'en ai beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là, c'est pas grave. On va dire j'en ai plein maintenant. Je peux virer ça. J'en ai trop. C'est pas grave. Crac. Voilà, c'est pour ça que j'aurais dit qu'on a dû aller là. Ça va beaucoup plus vite, on n'a pas besoin de repasser par le vaisseau. Finalement. Ok, donc. Là, cette fois-ci, on y va. Donc, j'en ai acheté combien? Une comme ça. J'en ai acheté des œufs, pardon. Un. Bon, on va en acheter un peu plus, hein. Quatre. Cinq. On a acheté 5 de chaque. Donc, les fluffs à l'eau. Qui donnent des plantes fiber. On va bien voir ça tout de suite, alors. Les fire fluffs à l'eau qui donnent, elles, des scorched core. Poison Fluffalo qui, elle, donne Venom Sample. Venom Sample. Ici, des Ice Fluffalo qui donne, elle, des Cryonic Extract. Pourquoi je peux plus... J'ai déjà mis tant de fric là-dedans? T'es sérieux? Mais j'aurais dû garder mon pognon, c'est pas possible! Ah! Oh, je vais pas toutes les avoir. Bon bah je vais pas toutes les avoir en 5, tant pis. Pour le moment c'est pas grave. On va en avoir que 2 comme ça. J'en remettrai 5 la prochaine fois. C'est débile ça un petit peu hein, sur les bords. Hop hop hop. Colonie humaine, donc il n'existe plus celui-là, colonie humaine normalement. C'était le drapeau. Excusez-moi. Ok. Donc l'objectif c'est de les mettre ici, mais je sais pas trop comment ça marche. Ok. Je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Je les pose complètement au pif. Hein. C'est complètement pifé ce que je fais. C'est pas grave. Ah bah cool, c'est pile la place qu'il faut ici au milieu. Crac. Je sais pas du tout combien il y en a qui vont pop. Hein. Je voudrais pas que les monstres les attaquent. Crac. What? Il se passe des choses! Oh! Oh! Ils sont tout petits! Pourquoi ceux-là ils poussent pas? Ah non! Non! Faudrait pas attaquer mes bestioles. Ça y est, ça pousse. Hop! Salut les filles! Ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir la porte par là. Ça, vous allez vous déplacer comme il faut. Voilà. Et j'ai mon petit champ qui arrive. Voilà. Ah mon petit quoi. Hop. Vous voulez bien sortir vous aussi? Ah. Voilà. Je sais pas comment ça grandit hein, pas du tout. Est-ce qu'il faut les nourrir? Blah, à mes yeux. D'accord, non apparemment ça grandit tout seul. C'est pratique. C'est réaliste. Waouh. C'est tellement réaliste. Hop. Ok. Bah, il va y avoir de la vie hein, dans cette ferme, chers amis. Oh de la vie, petit Jean. Je sais pas ce qu'il disait, j'ai jamais compris vraiment ce que ça voulait dire. C'est pas grave. Hop. Waouh, ça grossit vite en plus, c'est. Ok. Waouh. Va y en avoir un paquet. Hein. Et donc, comment que tu donnes du lait? On verra. Ça en fait de la bestiole, dis donc, ouais. Je peux pas dire, hein, mais... J'en ai peut-être fait un poil trop, hein. Bon, bah, ça fait de la vie. Hein, on va pas se plaindre. Oh, nom de Dieu.
Ah, ça bouffe, hein. Là, c'est clair qu'en termes de bouffe, ça y va, hein. Ok. Bon. Je vais les laisser grandir à fond. Et on verra quand on viendra s'il y a des choses. Ok. Comment j'avais fait ça ici? D'accord. Ok, on va reprendre les mêmes. On va finaliser quand même les trucs qu'on a commencé. Ornate. Ici. Et ici. Ensuite, on avait pris du roof. Ici, ici. Ensuite, on avait placé par-dessus, tout simplement, très rapidement, ceci, ici. Et ici. Ok, c'est bon, ça me semble bon. Ensuite, on avait replacé un roof. En profondeur. Voilà, comme ça. Ça en fait de la bébête là, par contre, hein, je veux pas dire, mais. Il me semble qu'on avait placé un truc comme ça. Je vérifie. Non, c'était une classique. Ok. C'est de l'ordre du détail. Ok, si j'en rajoute une là et une là, ça passe. Et pour la forme, si, imaginons, je voudrais rajouter ça. Ça passe. Ok. Visuellement, ça passe. Ok, parfait. Cool. Cool, cool, cool. Ça continue à grossir de partout. Je sais même pas comment je dois récolter des choses dessus. Non, rentre pas dans ma maison. Je crois qu'il est rentré. Merde. Je crois qu'il est rentré. De toute façon, ça fait beaucoup trop de bestioles, là. Bon, c'est pas grave. On se démerdera. On verra bien le moment venu. Je pensais pas que ce serait si gros. Je savais que ça allait être balèze, mais gros à ce point-là, non. Je sais même pas comment je récolte. Attendez. J'imagine que là, je suis ouvert. Ok, c'est bon. Oh putain. Boum. Voilà comment on chasse dans mon pays. Je sais qu'il y a un gun. Je sais qu'il y a un gun, chers amis. Tools, peut-être. Relocator. Ça va être ça. Hop. Permettra de déplacer les vaches, littéralement. Oh la vache! Hop. C'est pas mal. Je reconnais que... Hop. Je reconnais que c'est pas mal. C'est vachement bien fichu. Ok. Du coup, bah, le locateur, là, le machin locateur, je vais le mettre là, hein. Clairement, je vais en avoir besoin qu'ici, de toute façon. Donc, j'ai mes vaches et j'ai mes mottes. Hop. Ok, cool. Donc, c'est comment, ça, comment dire, comme on dit, c'est quelque chose qui commence plutôt bien, hein. Même si je n'ai aucune idée de comment récupérer tout ça. Alors, comment ça s'est récupéré ? D'accord, apparemment, quand elles vont être pleines, littéralement, leurs mamelles vont devenir bleues. Va aller comprendre. On verra bien. Quand le moment sera venu. Ok, bon bah je vous laisse tous. Mes poules! Qu'est-ce qui est arrivé à mes poules? Mes poules ont disparu, mes poules ont décédé. Ce qui est inquiétant, parce que je voudrais pas que mes vaches décèdent. Mais bon, c'est pas grave, on verra. On verra bien. Bah écoutez, chers amis, on a 30 minutes d'épisode. Merci de l'avoir regardé, en tout cas. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres constructions de la colonie. Donc, je pense qu'on va passer à d'autres trucs un peu plus fun, entre guillemets. On verra bien ce qu'il y a d'autre à rajouter. Comme chose ici, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter, en fait, à tout ça. Je crois pas, normalement. Voilà, ça leur fait pas de dégâts.
Wouh! Toi, par contre, tu vas m'en faire, ça continue. Crac, ok, c'est bon. Donc, je sais pas, ouais, on peut peut-être rajouter des choses. Et puis, dites-moi toujours dans les commentaires les noms de colonies que vous souhaitez. Et moi, je rajouterai ce qu'il faut avec. Voilà. Salut les gens!